Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Monsieur Jean-Baptiste Chandelier. Bonjour Jean-Baptiste. Oui, bonjour. Bienvenue. Si Merci. tu devais te présenter, comment te présenterais-tu? Alors, pas facile. Donc, je suis un haut alpin, je viens des montagnes et j'ai 34 ans et je suis parapentiste professionnel. D'accord. Je fais des films et je fais des petits films d'ailleurs, plutôt typé internet, tout ça. Et je suis aussi concepteur de parapente. Concepteur de parapente. Alors, C'est ça. ça va falloir m'expliquer parce que je savais pas qu'il y avait des qu'on concevait en Sur les ordinateurs, et ensuite on envoie ça pour que les parapentes puissent se créer et être produites dans certaines usines. Et puis ensuite on teste tout ça et comme ça on fait nos propres jouets. D'accord. Ouais. Mais du coup, cette conception, c'est un boulot plutôt en mode ingénieur, c'est pas du tout un boulot en mode promenade sur la montagne. Exactement. Alors un peu des deux, du point de vue où on fait la conception, où il y a une partie plutôt ingénierie pour commencer à faire les plans et tout ça. Puis ensuite, il faut aller tester l'aile. Et là, on est dans la montagne, c'est la partie un peu plus rigolote. Et on teste les ailes, on modifie les ailes pour qu'elles marchent. Et puis, jusqu'à refaire un nombre de prototypes, jusqu'à ce qu'on puisse avoir une voile qui puisse être vendue en série. Et puis, c'est un process qui est passionnant aussi. Il peut y avoir un peu de créativité aussi, même si on sait que l'ingénierie, on se dit que c'est pas forcément. Ah. Et là, c'est le moment où je te perds, Jean-Baptiste. Vas-y, on s'est arrêté à ingénierie. On ne sait pas si c'est Ah, comment et plus allô, rien. Vas-y. T'es ah, avec nous, t'es oui, ce que avec je nous. disais du coup sur l'ingénierie. Tu Ça y est, je suis là? t'es là, t'es là. Bon, super. Du coup, je disais oui, l'ingénierie, c'est vrai que qui est une partie aussi passionnante que la vidéo, tout ça, avec une partie aussi finalement assez créative malgré ce qu'on croit. On essaye de faire des petites innovations, tout ça, et c'est tout aussi passionnant. C'est une bonne chose, ouais, c'est cool. Moi, je t'ai fait venir parce qu'en fait, il y a 2 jours, 3 jours, 6 jours, depuis quand exactement, j'ai vu ce film, genre dans un feed Instagram. Je vois passer un court-métrage complètement ouf qui s'appelle Lockdown is Over. Je regarde ce truc, je me dis c'est fort sympathique, mais qui sont les gens qui sont derrière? Qui est allé se balader, se jeter dans le vide, courir, etc., etc. Et j'aurais bien aimé. Est-ce que toi tu l'as sous la main? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux nous partager? Alors, je l'ai sous la main. Ouh, Alors, on ça va c'est juste une bonne aller chose. là. J'ai mis un petit lien pour les gens qui nous rejoignent. Hop. Je l'envoie? Ouais, vas-y. Vas-y, Allez, c'est vas-y. parti. On est chez toi, il n'y aura pas forcément de musique, hein, comme on s'était dit. Et ça va peut-être être un petit peu saccadé au début, mais je pense que vous allez tous survivre. C'est très saccadé. Attends, je vais faire autrement. Ah, Ouais, est-ce que ouais, tu ouais. veux peut-être Non, toi la lancer? je vais moi la lancer. Hop, regarde, je vais nous remettre comme ça. Tiac. Le temps de la lancer, parce que c'est vrai que du coup, c'est un peu dommage, non? J'ai passé juste 2 minutes dessus, hein, c'est pas. Ouais, c'est ça, hein. C'est Ah ça, ouais. c'est pas gâché du tout. Non, non, c'est Du vite coup, fait un petit feat, ça l'a fait tout le seul. temps que je cale le truc ici, bonjour à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Hop, bonjour à Delphine, Songe, Fremox, Naruto, Daniel, Thierry, Seisun. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois et bienvenue aux habitués aussi. Hop, si vous nous rejoignez pour la première fois, vous savez peut-être pas, on est plutôt présent sur la partie behance.net/live. Et si vous allez sur cette partie-là, j'aurai plus de facilité à lire vos questions. Je pourrais dire bonjour, par exemple, à Sean, Jamila, Zahir, Stéphane et Alexandre, qui eux ont décidé d'être au bon endroit pour le petit bout de session. Hop. Je vais nous remettre au début de ça et je vais repartager ton écran. Ça cafouille un petit peu ce matin, non? Parce que Qu'est-ce c'est qui, l'après-midi. qu'est-ce qui nous. C'est parce que c'est l'après-midi. Oui. C'est sûrement parce que le matin, en fait, c'est pas du tout le matin. Hop, ça je le mets là et ça je le mets. Tic. Et ça je mets la bonne prise.
Et voilà. Attention, t'es prêt? C'est parti, on devrait y arriver. Donc là, comme je te disais, on n'a pas de son, mais Ouais. ça devrait pas être un problème pour tout le monde. Ça, c'est le court-métrage que j'ai découvert, moi, il y a 2-3 jours, un peu plus, sur lequel tu as commencé à voyager. Et du Voilà, coup, c'est ça. Ouais. j'aurais bien aimé d'ailleurs savoir si j'étais le seul à l'avoir découvert ou si tous les gens qui sont un peu passionnés d'images en avaient aussi pris plein les yeux pendant cette semaine et avaient déjà vu cet élément. Petit sondage à la fois sur le YouTube et sur le Behance, si vous êtes avec nous. TMPX nous dit concepteur de parapente, ça m'intéresse. Moi, je suis instructeur. Quelle marque, quel parapente aussi, et quelle voile ou paramoteur? Ah, tu vois, Alors, on a des gens spécialisés, hein. on va dériver. Alors, la marque, c'est Dudek Paragliding, qui font des paramoteurs et des parapentes. Moi, je suis plutôt spécialisé parapente de voltige et spécialisé dans les ailes très légères aussi. On a créé une petite aile à moins d'un kilo. Voilà, pour D'accord. répondre aux questions. Ouais, je pense que ça répond bien. Delphine nous dit, ouais, j'adore cette vidéo comme toutes les autres vidéos de JB, ce qui est plutôt une bonne chose. Merci beaucoup. Ça fait Ça nous toujours arrange aussi. plaisir. Genre, j'aime pas trop. Ouais. Du coup, je m'en Ok. vais. Très bien. Et on est arrivé donc tranquillement au bout du. Oups. On est arrivé au bout du film. J'ai perdu le lien et je vais nous remettre en grand. Voilà. Donc ça, ce court-métrage, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, là, j'aime bien en plus l'histoire, c'est assez intéressant. Ça, j'ai des copains qui font de la création de musique pour de D'accord. l'image, qui s'appelle les Icalus, qui sont vers Annecy. Ils m'ont dit, ben voilà, nous, il y a le confinement, il y a tout le boulot qui s'est un peu mis en stand-by. On se ferait pas un truc avec plusieurs athlètes avec qui on a l'habitude de travailler en copains, on se facture rien entre nous et puis on essaie juste de se faire un bon délire avec ben, des gens qui sont motivés pour le délire. Et du coup, ben, l'idée de base de faire quelque chose avec d'autres personnes et avec eux, ça m'emballait déjà pas mal. J'ai déjà pas mal bossé avec eux. Et ensuite, je me suis dit, voilà, faut juste trouver une petite idée intéressante pour faire quelque chose qui soit quand même bien et pas faire un truc lambda, on va dire. Et du coup, ça m'a pris une petite semaine où, pour trouver un petit peu l'idée qui va bien. J'ai tombé sur un film de ski où le mec s'est amusé à effacer le skieur. Et ils avaient mis combinaison verte et compagnie là, et puis ils avaient effacé. C'est une vidéo qui a pas beaucoup tourné, qui est passée plus à la télé que j'avais du mal à retrouver sur Internet. Et ça m'avait fait beaucoup rire. Et je me suis dit on pourrait faire un truc comme ça, mais avec du coup avec nos jouets entre guillemets qui font leur vie en sortie de confinement, et puis nous ben on les cherche un petit peu à la maison. Et du coup on a proposé ce projet-là du coup aux internet. D'accord, ouais, Et ils étaient qui super sont présentés, motivés et hein. du coup. C'est eux qui débarquent en premier dans le clip. Voilà, exactement. Donc, Yann Jornet, qui lui est un très très fort trail runner, c'est un peu une légende dans ce milieu-là, et qui habite en Norvège. Donc, il D'accord. tournait ses plans à la maison. Je lui demandais deux trois plans, et puis il s'est bien amusé à la maison à tourner les plans lui-même. Et Victor, qui lui était dans le sud-ouest de la France, qui est un gros gros snowboarder aussi, D'accord. qui a gagné des grosses disciplines de freeride. Et du coup, pareil, avec un de ses copains, ils se sont amusés à tourner à la maison. J'ai récupéré les images, j'ai essayé de récupérer des vieilles images qu'ils avaient déjà fait de sport, les images qu'ils ont tournées pendant le confinement, et ensuite moi j'ai essayé de faire de monter tout ça. Donc entre deux, avant voilà, quand il y a eu l'idée, au début il devait y avoir un vélo, c'était pas forcément le snowboard, et donc j'avais écrit un petit script, donc j'utilise un logiciel pour faire des scripts, et du coup j'ai fait un petit script pour présenter un petit peu le projet, essayer de motiver un peu les copains, et puis ben, ça l'a bien fait quoi. Donc Ouais, ça, pour le coup, ça a vraiment très bien marché. Là, je te dis, on en a vraiment pris. Enfin, c'est ouf, c'est fou de voir que comment en quelques images, t'arrives à redonner vraiment de la vie sur ce genre de contenu. Toi, tu fais ce genre de film depuis un certain temps, parce que si on regarde ta chaîne si on regarde ta chaîne YouTube, il y a quand même un paquet de films sur lesquels t'es intervenu. Attends, je vais partager un coup. Hop. c'est vrai Check. que, ouais,
J'ai attaqué complètement par hasard à faire des vidéos en mode autodidacte, je dirais autour de 2009 peut-être, 8 ou 2009, quelque chose comme ça. Et ouais, puis j'ai eu un gros feeling tout de suite, ça m'a tout de suite emballé. J'avais pas trop la fibre un peu du cadrage et tout ça, mais j'avais la fibre vraiment du montage, donc ça me plaisait bien. Ok, Et alors puis. désolé pour la pub. Un jour, je paierai YouTube. En attendant, ils mettront de la pub pendant qu'on regarde. Là, du coup, je balance Weightless, Ouais. qui est plus ancien, qui a 2-3 ans, 4 ans, il me Ouais, peut-être semble. 200, quelque chose comme ça. C'est vrai que moi, c'est mon dernier gros projet. Moi, je suis très lent. Je fais pas beaucoup de films, mais j'essaie de m'appliquer un peu quand je les fais. Et du coup, moi, je suis spécialisé dans ce genre de petits films-là où on essaie de donner un peu envie aux gens. Et du coup, le parapente, c'est très compliqué à filmer. Ça prend beaucoup de temps. Il n'y a jamais les bonnes conditions. C'est en l'air, donc c'est pas évident. Et du coup, voilà, on a un rythme qui n'est pas extrêmement soutenu, mais on essaie de s'appliquer pour faire de belles images et Alors pour essayer de là, donner envie aux c'est gens de voler. ouais, là c'est quand même, je pense, l'image phare du film, c'est le moment où tu rases la flotte avec les pieds. C'est quand même On est assez loin de la magique. fille. Et la série de, je sais pas comment on appelle ça, les potelets, les petites poutrelles sur lesquelles tu sautilles, c'est ouf ça. Au Brésil, du coup, ouais. Ça, c'est au bord du Brésil, à Canoaquebrada, un petit village de pêcheurs, où c'est le paradis du parapente. Et du coup, là, pour cette vidéo, on était parti avec trois copains. Donc, deux vidéastes, un qui est plus spécialisé à action, qui s'appelle Guillaume Galvani, qui lui me. En fait, il a le même niveau que moi en parapente, sauf que ce qu'il fait, c'est plus dur, parce qu'en plus, il se met une caméra sur la jambe, c'était des gimbals avec des GoPros et tout ça pour essayer de me suivre. Un copain qui sort plutôt d'une école de visuel qui s'appelle Jean-Baptiste Mérandet. Et ensuite, un autre copain qui, lui, était plutôt photographe, Tristan Chu, qui fait de super photos de sport et qui voulait se mettre aussi un peu à la vidéo. Et du coup, il a clairement eu la fibre de la vidéo tout de suite. Et ça donne un petit peu ce résultat-là. Donc moi, je prends un peu une idée au départ, puis après, je récupère un peu les images de tout le monde et puis j'essaie de faire un petit montage. Et puis ça rend un petit peu ce qu'on peut voir. Ouais, qui rend très très bien ce moment où tu es en train de te prendre la rambarde de la enfin le la rambarde de l'escalier. Et alors ouais, je vous vois d'ailleurs partir à deux et à faire des figures ensemble en mode patrouille de France. Ça doit être complexe à caler ça en parapente. Ça demande une petite complicité. Puis là, on avait une petite oreillette Bluetooth dans les oreilles, où comme ça, en fait, on se parle en direct, un peu comme la Patrouille de France, mais un peu plus facile quand même, je pense. Et on essaye un peu de faire nos manœuvres en synchro et tout ça. Et là, l'endroit est au milieu des Açores. C'est un endroit qui n'était pas hyper connu il y a 4-5 ans et qui est en train d'exploser. C'est juste magnifique, avec y a des espèces de cratères de dingue. Et du coup, mon collègue qui est dans la vidéo, c'est aussi un collègue du coup qui filme aussi les images. Donc, qui est Guillaume Galvani, qui est un copain, l'un de mes meilleurs amis, avec qui on a appris le parapente et la voltige ensemble. Et du coup, ça permet de faire des points un peu de complicité avec les copains. En fait, la vidéo, c'est un peu l'excuse pour partir en vacances entre copains. Moi, c'est pas des images. Ouais, parce que quand tu nous parles justement de la conception de parapente, vu ce que tu leur fais subir, c'est très très étonnant quoi. Il y a pas, enfin il y a des moments là ça va. J'allais dire c'est presque safe. T'es sur la piste de ski, mais Ouais. tout à l'heure quand vous étiez en train de tourner l'un au-dessus de l'autre, c'est un peu le truc qui invite à partir en torche quoi. Ça fait flipper ça, non? Alors, c'est vrai qu'il y a, nous en parapente, ce qu'on dit, ce qui est dur en parapente, c'est le sol. Donc, tant qu'on est au milieu de nulle part, on peut pas se faire trop mal. Et quand on est près du sol, finalement, c'est là où on risque de se faire mal. Donc, c'est vrai qu'à deux, quand on se connaît bien, je pense que c'est comme tout, hein, quand on sait faire quelque chose, on diminue les risques en fait. Après sur les pistes de ski c'était marrant, il n'y avait pas non plus une grosse prise de risque, mais près du sol, voilà, si on souffle, d'un coup, ça fait tout de suite un peu plus mal. Alors qu'aux Açores, on était au-dessus de l'eau, au-dessus d'un lac, on a des parachutes de secours, il y a tout un équipement qui est là pour au cas où ça se passe mal, on a des options B, B, C et compagnie. Donc Ouais, pour être capable de rattraper justement parce que ça, je me rends pas compte, ça déclenche vite un parapente, ça se.
Alors, un parachute de secours, non, ça se déclenche pas. C'est pas le truc le plus optimum. C'est vrai que normalement, en parapente, on se repose avec notre parapente, on se repose pas qu'un parachute. Et du coup, c'est jamais sûr à 100% que ça s'ouvre. Donc c'est pour ça qu'on en a même deux. Comme ça, on est deux fois pas sûr à 100% que ça s'ouvre, mais c'est mieux que rien. Et ça, mais j'ai déjà ouvert peut-être 5 ou 6 fois depuis que je fais du parapente. Et puis ça me suffit. J'ai pas besoin de le faire plus. Ouais, c'est assez fou là. Donc là, ça y est, tu viens de faire ton plongeon dans l'océan. C'est Dans un cratère des Açores, le toujours. cratère des Açores. L'amérissage, c'est un truc récurrent ou c'était vraiment juste pour la forme là cette fois-ci? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, à la base, c'était censé être une autre action que j'ai jamais réussi. Et à chaque fois, je finissais à l'eau. On s'est dit, bah, en fait, vu que j'arrive pas, on va vraiment filmer. Donc, la prise qu'on voit dans le film, je savais que j'allais finir à l'eau, c'était prévu, en se disant, on finit à l'eau, comme ça, on ressort et ça fera une fin un peu plus rigolote quelque part. Et puis, ça racontera quelque part aussi un peu la réalité où bah, ça marche pas tous les coups. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Alors du coup, voilà, on est arrivé au bout, on a eu les remerciements du coup pour Jean-Baptiste Mérandais, Guillaume Galvani et Tristan Chou qui étaient là. Et puis le sound design donc dont personne ne profite aujourd'hui, hein, parce que je punis les gens. Mais ouais, C'est mais Zikali. c'est toujours les Icali du coup hein, qui sont toujours là avec qui on a travaillé sur la vidéo. Du coup, qui ont super bien bossé. Et il y avait aussi une musique qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours My Silver Lining de First Aid Kit, qui est une musique que moi j'adore, j'écoute en boucle. Et quand enfin un montage, on arrive encore à écouter la musique, c'est qu'elle est vraiment bien. C'est un peu ma conclusion. Ok, pendant ce temps-là, dans le chat, ça discute un petit peu. Je vais reprendre un petit peu les liens de ce que se racontent les gens. Hop, hello, c'est de la magie. Est-ce que quelqu'un a le lien de tout ça? Oui, on a le lien. Non, Alex va vous mettre le lien Behance, je pense, pour que vous puissiez être avec nous pendant la session. Et vous allez pouvoir retrouver donc au moins le Behance, mais surtout, on pourra retrouver. Bah là, on va peut-être passer sur ton écran à toi. Jean-Baptiste, vu qu'on est, Ouais. il y a moyen maintenant que tu nous montres, hop, ben des images, vu qu'on sera un peu moins sur la partie rythme et un peu plus sur la partie, images et préparation. Tiens, on est chez toi. Allez. Qu'est-ce que on montre un peu la chronologie du coup, un peu Ouais. de où est-ce qu'on l'idée du storyboard Ouais, ou carrément, tu veux carrément. voir directement le montage, les Oh bah, Allez, bah un on va petit, d'abord je pense regarder. qu'un peu de chronologie, ce serait intéressant parce que quand on voit le nombre d'images, quand on voit le nombre de plans qui sont réalisés, qui ont été mis en place là-dedans, je pense qu'une petite, un petit récap complet, ça fera pas de mal. Alors, du coup, petit récap complet. Donc, en fait, comme j'expliquais, c'est les copains, les Icali. On est dans le confinement à ce moment-là. Et là, on a les copains, les Icali qui font du coup de la musique pour les vidéos, mais aussi du sound design, qui m'appelle en disant, bah voilà, globalement, tout s'est mis en stand-by pendant le confinement, on n'a plus trop de travail. On s'est dit, autant pour essayer un projet entre copains, histoire de s'amuser un petit peu, et puis, voilà, ça nous fera un petit projet plutôt que rien faire, ça va un peu nous occuper. Et du coup, il me propose ça avec plusieurs athlètes. Du coup, je lui ai répondu qu'il fallait d'abord que je trouve une idée un petit peu intéressante, hein, quelque chose d'original où on peut utiliser de vieilles images qu'on a déjà tournées. On puisse faire quelques images pendant le confinement et ensuite j'essaye de faire moi un petit montage pour qu'il y ait quelque chose d'un peu original et sympathique. Bien sûr. Donc une semaine plus tard, je reviens avec mon petit script que je suis en train de vous montrer ici. Hop. Alors je vais juste basculer ça de l'autre côté. Voilà. Et donc là directement, j'ai un super logiciel là qui est trop bien pour dessiner. Je fais un peu du Photoshop en fait, je me fais une petite session Photoshop. Ensuite, je redessine avec un crayon là sur mon écran, puis je redessine un peu les contours, j'efface les bonhommes et c'est plus rapide qu'avec Effect, avec le crayon dans un premier temps. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, Et non, du de coup, toute façon, voilà. le dessin, c'est indispensable. Là, tu dis tu redessines, mais tu redessines des plans d'après les vidéos que tu avais sous la main. Ouais. Voilà. Donc à la base, on s'était dit vélo, trail running par rapport. Or, on n'a pas pris vélo pour deux raisons, c'est que les athlètes nous ont pas répondu forcément positif pour ça. Et en plus, en post-prod, ça aurait été encore plus compliqué. Du coup,
Heureusement qu'on a eu Victor Snowboard. Et du coup, voilà, l'idée, donc il y avait à la base trois sports. L'idée, c'est de partir vraiment sur quelque chose d'assez flou au début où on ne comprend pas trop en gros plan. Donc on peut voir un petit peu des plans un peu serrés comme on a pu voir sur la vidéo. Ensuite, des images un peu où on cherche. Il y a des plans qu'on peut reconnaître un petit peu qui sont dans la vidéo actuellement, avec le pied Tout à de fait, ouais, la Kylian. descente en trail. Voilà, descente en trail. Donc, et du coup, on dessine, voilà, je dessine globalement l'histoire avec un petit peu de blabla en dessous pour expliquer un peu quelle est l'intention qu'il y a derrière tout ça. Et de là, on a envoyé ça aux athlètes, on a déjà envoyé ça aux Icali et tout le monde était partant. Et du coup, on a demandé à Kylian Jornet, donc il y a un trail runner qui court plutôt vite, plutôt très très vite et très très longtemps. Qui est très très réputé dans son milieu, et Victor Delorue, qui est pareil, qui est un snowboarder qui est un peu l'un des snowboarders qui cartonne en ce moment, qui est super sympa. Et du coup, ils étaient tous super motivés et ils ont du coup tourné des images chez eux. Donc, suite au script, j'aurais demandé bah, si vous pouvez me tourner telles images, telles images, telles images. Et puis moi, j'ai récupéré du coup des images dans le film qu'ils avaient fait. Donc, il y avait des images de Sébastien Montaz qui a réalisé beaucoup de films pour Kylian Jornet, qui a fait de superbes images. Et ensuite, il y avait un film, alors j'ai plus le nom du film de Victor, tête, ça va me revenir, Frison quelque chose. Enfin bref, il a fait des superbes images de freeride en pentraide et tout ça, par chez nous, avec une équipe top, qui s'appelle Ivresse Film, si je dis pas de bêtises. Et en tout, c'était super sympa. Ils nous ont permis d'utiliser leurs images. Et de là, ensuite, on a récupéré les images et on s'est mis. Enfin, je me suis mis au travail de mon côté. Ouais, parce que du boulot, il y a dû y en avoir un paquet. Et effectivement, quand on y réfléchit maintenant, le vélo, c'est vraiment une chance de pas l'avoir eu parce que vu que t'as fait des découpages dans les chaussures, à Ouais. travers les rayons et la chaîne, ça aurait été une bonne tannée quand même. Ça a été une grosse galère. Moi, je fais sur des rapides pour quand c'est rapide, on a moins besoin d'être propre. Donc, je m'étais dit, si jamais on arrive à avoir des mouvements assez rapides et tout ça, on va être capable de reconstruire grossièrement et avec le flou de mouvement, on devrait être capable de se débrouiller. Mais j'avais un peu d'expérience là-dedans. J'ai pu affûter mon expérience en le faisant, du coup. Mais du coup, voilà, moi, ça m'a pris. J'ai une semaine de montage et après, j'ai eu 3 semaines à effacer tout le monde en post-prod, globalement. Donc là, on peut peut-être regarder. J'ai préparé des petits edits si ça vous Ah, dit, vas-y. pour voir un peu le procédé du coup de quelle était l'image de base et quelle était l'image après et tout ce qu'on a dû tout ce que j'ai dû faire. Donc par exemple, ça c'est les plans des pieds du décollage de parapente. Donc à la base, les plans ont été tournés il y a peut-être 7-8 ans. Donc, il n'y avait pas d'écran vert, il n'y avait rien qui était prévu pour ça. Et du coup, bah, ce qu'il a fallu faire, c'est essayer de récupérer les plans qui pouvaient éventuellement marcher, supprimer tout ce qui ne nous intéressait pas et reconstruire l'arrière-plan et aussi reconstruire les bouts de chaussures qu'il allait manquer. Donc, par exemple, on a ce plan de décollage-là. Donc, ce qui était super embêtant, c'est qu'il y avait le pantalon qui passait par-dessus la chaussure. C'est que le background était assez facile à reconstruire. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Et puis, on a des outils qui marchent super bien sur After Effects pour le faire maintenant. Donc ça, c'est le plan du décollage à la base. Et le rendu, c'est ça. Une fois que la post-prod est faite. Il y a des micro-bugs, hein, si on regarde bien. Moi, je suis pas encore satisfait à 100%, Ouais, de mais toute façon, c'est aussi j'avais la déjà. magie de la vidéo. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de trucs qui marchent parce que t'es en vidéo et que ça bouge, Ouais. et qu'au final, ça va pas forcément se voir Se dans le. voir. C'est ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, l'idée, c'était que les gens aient du mal à voir un petit peu les effets. Il fallait qu'ils rentrent dans le storytelling. Je me suis pas dit non plus, on a Hollywood avec Game of Thrones. Et puis, j'avais aussi envie de profiter de mon déconfinement parce que ça m'a pris plus de temps que prévu. Et pendant que tout le monde était déconfiné, moi, je continuais de détourer des baskets et des. C'était assez frustrant. J'avais envie de retourner voler. Et du coup, voilà, je pense que j'ai essayé de trouver le dosage qui permet d'avoir quelque chose où pendant plusieurs lectures, on voit pas trop les défauts, et si vraiment on s'arrête, on voit des micro-défauts, mais ça reste pas dramatique selon moi. Non, c'est clair. Tiens, j'ai eu une petite Donc, question que j'avais pas vue ouais. passer parce qu'elle est sur YouTube et pas sur Behance, de Xavier qui nous demande c'est quoi le soft pour le script? Alors, le soft pour le script, c'est ce petit logiciel.
qui s'appelle Storyboarder. C'est un D'accord. logiciel qui est gratuit. Qui est gratuit, qui est super bien fait. Tu veux que je l'ouvre et qu'on regarde vite fait ou on avance sur le. Pas forcément, je pense que les gens iront chercher un petit peu et iront gratter par eux-mêmes, mais voilà, c'est au moins qu'ils aient le nom et qu'ils puissent Voilà, chercher ça. Storyboarder. L'avantage, c'est qu'il y a des liens directement avec Photoshop. Qui fait que quand on ouvre, dit qu'on va aller un peu plus loin dans le dessin, on fait cliquer le lien sur Photoshop, on dessine sur Photoshop et ça s'envoie directement dans l'autre logiciel en même temps. C'est super bien fichu, ça s'organise, on met le nombre de temps et tout. Et le rendu PDF, il fait super pro avec pas beaucoup de travail finalement. J'ai dû passer 3 jours quand même, mais en tout cas, voilà, moi, je suis content. Ça permet quand même vraiment aux gens de se projeter dans la vidéo. Pour moi, c'est le nouveau truc depuis 1 an ou 2 que j'utilise et qui fait toute la différence. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Du Du coup, coup, process, plus de on revient basket. sur ces plans de pied. Alors déjà, il faut effacer le bonhomme. Donc ça, c'était le rendu à la fin. Mais dans un premier temps, donc on essaie de faire une espèce de masque un peu dégueulasse en se disant, je vais déjà essayer d'effacer le bonhomme. Ouais, De là, il y a intégralement, un. voile comprise, chaussures comprises. Voilà, exactement. Donc là, une espèce de masque dégueulasse. Et là, il y a un outil que je vais peut-être ouvrir After Effects en parallèle. Je vais enlever ça. Ah, on va faire. On va faire pleurer After Effects et ta machine, parce que du coup, c'est comme tu disais, toi, tu as travaillé sur une grosse station et pas sur ton portable. Comprimant. Et merci à Stéphane d'avoir posté le lien de Storyboarder chez Wonder Unit. Alors voilà, j'ai mon ordinateur, la connexion est instable. Pardon, vous êtes là? Ça a un peu bugué. Il y a Ça a des un moments petit où peu ça bugué, coupe. mais on t'a Désolé. récupéré et tout le monde est resté, Ouais. tout le monde est resté stoïque, au calme. Et je crois que le public commence à être un peu habitué aux histoires de connexion. Du coup, voilà, j'ouvre en même temps la session After Effects pour qu'on voit un petit peu que je puisse faire le parallèle avec les outils. J'ai fait les rendus parce que voilà, mon petit ordi, il n'aura pas les ressources pour le lire en direct. Ça aurait demandé beaucoup de patience. Il aurait fallu un live d'une demi-journée. C'est ça, c'est ça. Ben Ouais. on va faire un sondage. Chère audience, est-ce que vous êtes pour des lives qui durent une demi-journée ou est-ce que vous voulez qu'on reste dans le Une cadre heure, de c'est bien. l'heure? On va voir. De toute façon, on a toujours 30 secondes de décalage entre mes questions et les réponses du public. Et quand en plus le public me met les questions du côté YouTube, j'arrive pas forcément à les voir tout de suite. Et pour ceux qui seront intéressés d'ailleurs par la suite, on peut se garder peut-être un petit quart d'heure, 20 minutes sur Discord. J'ai vu que Stéphane vous avait posté le lien côté Behance. La conversation continuera par la suite dans Discord. Vous pourrez justement échanger un tout petit peu. Redemander peut-être des bouts de précision si vous aviez pas eu ça. Alors, petit 16 est d'accord pour une demi-journée. Mais c'est le seul pour l'instant. Delphine veut bien une journée complète. Alors voilà, After Effects s'ouvre en parallèle. Alors du coup voilà, une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est de remplir ce masque. Il y a un outil qui s'appelle remplissage. Si on revient dessus, oh, là il est long mon ordi. Il est long, il est long. Bon, c'est temps qu'il s'ouvre, c'est rare. Mais après, mais remplissage d'après le contenu marche sur des plans faciles, ça marche très très bien. Sur des plans où vraiment on n'a jamais vu le plan passer, c'est pas terrible. Il faut aller un peu plus loin. Il peut pas deviner vraiment ce qu'il y a derrière et du coup, faut faire un peu du Photoshop ou créer une cape derrière. Mais du coup, voilà, une fois qu'on a effacé le bonhomme, on rentre dans cet outil qu'il y a là ici à droite. Et on est capable de recréer le fond, ce qui permet de déjà dégrossir. Même s'il a des petites erreurs, il m'a permis de dégrossir. Si on regarde un petit peu ici, donc j'ai juste un masque qui me garde l'original en bas, toute la partie que je savais que j'allais garder. Et on peut voir déjà que. Ah bah non, là il veut plus. Alors, on peut voir qu'il y a un petit quelque chose. Il y a des petits bugs. Mais il y a déjà un fond qui va déjà m'aider. Parce que les bugs sont déjà. On a déjà la couleur, on a la teinte et tout ça. Et je me dis à la fin, je devrais réussir à affiner.
Ouais, puis il se passe quand même un truc, c'est que derrière, tu vas reposer les chaussures, tu vas reposer la voile, tu vas reposer tout le reste. Donc il y a même des chances que Exactement. des trucs que tu voyais, finalement, ils sont juste cachés par par la matière, quoi. C'est ça. Donc pour moi, je vois vraiment comme s'il y avait des espèces de couches. Donc il y a vraiment une couche où on refait le fond. Donc j'efface complètement le personnage. Une couche où je vais ramener, où je recrée le fond de manière, même si c'est un petit peu brouillon, c'est pas très grave parce que je verrai vraiment de quoi j'ai besoin à la fin. Ensuite, une couche où je ramène du coup que les chaussures dans un premier temps. Donc les chaussures, mais sans la reconstruction, donc les chaussures un Du peu talon et dégueulasses. tout, ouais, enfin du. Voilà, du talon, parce qu'il y avait le jean et tout ça. Donc on peut voir que ça fait un truc un peu bizarre, mais déjà on commence à avoir l'aperçu de l'effet. Ensuite, j'ai dû recréer un talon. Donc là, j'ai pris un peu des talons de chaussures que je suis venu poser image par image. Et donc là, c'est pas. Et en plus, on manquait un peu de matière dans les noirs, ce qui fait que le tracking n'était pas ultra performant. D'accord. Et c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai essayé de faire le tout le plus possible, mais c'était pas top. Parce que Mais déjà, on arrive à avoir pour deux le coup, tu as des chaussures. problèmes à la fois du tracking en tant que tel, mais aussi de l'intégration, parce qu'il y a quand même le flair du soleil dessus, il y a le flou de mouvement, parce que tu es en déplacement, etc. Ça fait un paquet de points à gérer, ça. Ça fait un paquet de points à gérer. Après, tout ce qui est flou de mouvement, c'est quelque chose. Moi, ça m'arrange. Quand on veut remettre des choses et qu'on peut mettre un peu de flou dedans, c'est quand même. Je m'en suis servi comme échappatoire des problèmes que j'avais à pas mal de moments, notamment sur une autre vidéo que je vous montrerai après, où effectivement ce que j'ai fait, j'ai recréé un flou directionnel dans ces cas-là. J'ai pas recréé un flou de mouvement un peu automatisé, et je suivais un petit peu le flou directionnel en fonction du déplacement de la chaussure Bien sûr. pour avoir quelque chose où bon là je suis même un peu trop net. On peut le voir dans les sur images que je suis un peu trop net, mais il y a des images où j'essaie d'avoir à peu près la netteté que je vois sur les autres parties. Et donc là, on peut voir que j'ai toujours un petit décalage, on va le remettre. Et quand ça part, ça bougeotte un petit peu. Ah, j'ai mon ordi qui. Alors si ça peut te rassurer, de toute façon, comme on s'était dit tout à l'heure, Ouais. l'image ici sera un petit peu saccadée. Donc les gens vont le D'accord. voir Donc pas en besoin mode de s'énerver à fond animatique. dessus. Et ouais. Tout le monde Voilà. ne voit que les images fixes. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, du coup, donc je vais faire plutôt des arrêts sur image, comme ça on peut voir qu'en fait toute l'arrière de la chaussure ici a été reconstituée. Ici, pareil, il y avait une languette un petit peu devant qui avait disparu, que je suis allé recréer. Et donc forcément, quand c'est en gros plan devant, il faut être assez précis. Et plus ça s'en va, et plus ça bouge, et moins on est précis, et plus on peut rajouter du flou de mouvement, et plus ça passe. Et déjà sur Donc. tes plans qui avaient quoi, tu m'avais dit 7-8 ans pour certains, vous aviez, enfin tout était tourné en HD pour pouvoir Alors travailler non, dessus. j'ai eu un gros problème avec les plans de Kian Jornet, Ouais. parce qu'à l'époque, c'était l'arrivée du plugin Twix Store, et il voulait quand même un maximum d'images. Et du coup, je me suis rendu au dernier moment et je me suis dit, c'est pas grave, les gens maintenant regardent les vidéos sur des téléphones, même si les téléphones sont HD, bon, je me suis dit que ça passerait. Donc les plans de Kilian, il y en a beaucoup qui sont en 720p, un tout petit HD de l'époque, je sais plus qui n'existe plus du tout. Et j'ai essayé de me battre un peu dessus, j'ai essayé de rajouter des flares, de rajouter des flous, de rajouter des choses pour essayer de redonner un peu De dynamique à de flou, l'image. un peu plus flou, de dynamique à l'image, mais c'est. De toute façon, ce projet, c'est du bricolage. Globalement, c'est résoudre des problèmes pendant 3 semaines. Et du coup, voilà. Donc, par contre, là, j'avais la chance, on avait une belle caméra à l'époque. Donc, pour l'époque, on était déjà en full HD avec du D'accord. 50 images par seconde avec une plage dynamique qui tenait quand même bien la route. Ouais, parce Du que coup, ça permet une image pour qui est le coup, propre. effectivement, la partie soleil passe bien. T'as du soleil et des grosses ombres sur la même image. C'est C'est un bon coup ça. technique là. C'est ça. On avait une FS100, elle s'appelait à l'époque. C'était une Sony caméra un peu pro. Pour nous, c'était la révolution. Maintenant, qu'un iPhone, on fait mieux, mais non, peut-être pas. Même pas encore. Même l'iPhone n'est pas passé au-dessus de ça. Et après, voilà, on a rajouté la sellette, qu'on peut voir qui était vraiment dégueulasse, qu'il fallait couper. Et là, du coup, ben, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir encore la même sellette qu'à l'époque, dans mon garage, la D'accord. sortie que j'ai prise en photo. Sous tous les angles. Donc, et ben, sous l'angle que j'avais besoin, je peux essayer de vous montrer. Oui, remarque, c'est vrai que ça glisse doucement et que tu dois pouvoir rattraper la perspective. C'est ça, exactement. Avec l'outil des 4 points, on arrive à la sellette. C'était pas de face que je voulais, c'était pas ici. Objet, objet, objet. Où est-ce que je l'ai mis? Alors ça, c'était pour un autre plan.
On peut voir que l'organisation était vraiment incroyable. Effet, ça va être quelque part là-dedans. Si je ne le trouve pas, je ne vais pas plomber l'ambiance avec. Mais globalement, j'ai dû faire une petite photo de la sellette. Nouveau dossier. Est-ce que c'est pas là? Non, je ne vais pas le retrouver. Je pourrais montrer éventuellement sur After Effects directement ce que j'ai récupéré. Donc sur After Effects, si on prend ici, donc on peut voir qu'en bas, ça fait un sacré paquet nombre de pistes parce qu'il y a création du fond, il y a les Photoshop qui sont intégrés. Donc je vais essayer de vous montrer que la sellette. Hop, qui va donc être là. Non, j'ai pas fait le bon T'es bouton. sur C'est ici qu'il le faut bon endroit sur le cliquer. calque. Voilà. Et là, on va se mettre ici. Voilà, on peut voir que j'ai récupéré du coup. On voit peut-être pas très très bien. C'est un peu sombre, mais j'ai essayé de récupérer la même ambiance. On était à contre-jour, donc c'était assez sombre. Enfin, quand je te disais, c'était en pleine journée. On peut voir qu'ici, on a du coup le bout de sellette qui me manquait. Je suis allé photographier exactement ce qu'il me manque. J'ai pris une vingtaine de photos. Et ensuite, avec donc les techniques, on va bouger donc soit le masque, soit les quatre coins. En fait, on va réussir à calquer ça. Alors, il a rechargé. On arrive à calquer ça sur la forme de la sellette ici. Ouais, puis finalement ça passe, mais complètement, complètement inaperçu, quoi. Ben normalement, on a la même lumière, on a la même sellette, les mêmes couleurs, et globalement, on arrive à avoir quelque chose de relativement propre. Donc on peut voir avant à quoi ça ressemble, où c'est quand même un peu dégueulasse, et le après, on est plutôt sur, voilà, sur une sellette, voilà, qui ressemble à peu près à la réalité. On a l'avantage d'avoir un léger full mouvement, pareil toujours, qui permet de cacher un peu la misère. Et voilà, et ce plan-là m'a pris 3 jours. Alors comment tu mesures tes journées, toi, d'ailleurs? Tu fais des journées de 6 heures, 8 heures, 18 heures? Alors moi je suis pas un lève-tôt, j'attaquais sur les coups de 11 h et je terminais à 3-4 h du matin. Oui, ça fait des Et grosses journées quand même. avec ça fait de tourner un peu décalé par rapport aux gens normaux, mais bon on était en confinement donc ça allait bien. Et du coup voilà je fais non j'ai fait beaucoup beaucoup d'heures. Je compte pas trop mes heures parce que j'estime qu'en vraiment en productivité, c'est toujours un peu faible. Il y a toujours un moment donné où il faut faire une pause parce que le cerveau, il marche plus. Mais par contre, je passais mes journées, j'ai passé 3 semaines de ma vie à faire ça avec un bon 10 heures ou 12 heures ou je sais pas par jour, ouais, à l'ordinateur. Donc, c'était pas le moment le plus marrant de ma vie, personnellement. Je suis content d'avoir fait, je suis assez fier. Ah oui, c'est carrément, c'est plus que mérité, parce que c'est vraiment, enfin c'est quand même un super film et c'est assez classe comme retouche, comme montage au fur et à mesure, quoi. Et c'est vrai que j'avais fait des devis, et les devis montaient très très haut. Moi j'avais déjà un peu d'expérience, je savais que j'aurais été capable de le faire, mais ça m'aurait pris beaucoup de temps. Et j'ai eu des devis chez des vrais experts qui voulaient tout recréer en 3D et tout ça. Mais ça, moi j'en avais pour peut-être 40 ou 50 000 euros, donc c'était un C'est peu ça. compliqué. Bon, maintenant, il faut Ouais. réussir à trouver les sponsors qui peuvent remettre les sous juste pour plaquer leur logo sur la voile. Ouais, voilà ça. Du coup, je me suis dit, bon, bah, on va devoir mettre un peu les mains dans le cambouis soi-même. Et puis finalement, 3 semaines, je pensais passer limite plus de temps. Donc, ça s'est pas si mal goupillé que ça. Alors, il y a un autre plan qui m'a vraiment ennuyé, dans le même délire. C'était, où est-ce qu'il est? On revient en arrière, on est par là. C'était le plan de Kian, rendu de face. Le souci sur ce plan-là, je sais pas si vous le voyez, c'est que globalement, il y a tout qui bouge, il y a un travelling, il y a de la poussière, il y a le fond, du coup, qui est jamais le même. Ces jambes, elles font la moitié de l'image. Et c'était vraiment une grosse, grosse galère pour moi de réussir à, en fait, le fond bouge tout le temps. Le fond bouge en permanence, il y a de la poussière. Si la poussière, ça va faire trop bien si j'arrive à intégrer parce que ça va rajouter du mouvement et ça va rajouter de la dynamique à l'image. Mais du coup, sur la fin, c'était tellement compliqué que j'ai sauvé ça en faisant un flou de mouvement, un flou d'objectif en fait. Je me suis dit, on va faire genre qu'on a perdu le point et ça va nous sauver un petit peu. Donc, toujours pareil, même concept. Alors là, j'ai essayé de faire comme d'habitude. Donc ça, c'est le rendu final où à la fin, il n'y a plus les jambes. Alors,
Parce que ça marchait. Bon, là, j'imagine que vous l'avez en saccadé, mais même moi, je l'ai en saccadé, donc vous, j'imagine même pas. Mais on a, voilà, ces images-là, du coup, on peut voir un peu les défauts si on fait l'arrêt sur image, hein, mais ça passe propre. Ouais, c'est clair. Donc tu le mais tu l'as pas réellement enfilé un collant. Tu l'as pas mis sur Alors, les jeans non, noirs. voilà, là, Et non, pareil, hein, en 2011, on ne s'est pas dit à l'époque, je ne sais pas quelle année c'était, mais c'était à peu près pareil. Donc, cette image est en 720p. Heureusement, il y a du flou, tout ça, ça bouge, on s'en rend pas trop compte. Et du coup, j'essaie de faire la méthode habituelle où j'essaie d'enlever déjà les parties que je veux pas garder. Donc, j'ai créé un masque, du coup, j'ai utilisé, ça, c'est un truc que j'ai trouvé, mais alors génial, ça m'a sauvé la vie. En fait, je pense que j'aurais eu cette idée-là il y a un an et demi en arrière, je me serais surestimé, j'aurais pas réussi. Et là, grâce à ces deux trucs remplissage de contenu, et c'est vrai que vous avez aussi le lien maintenant avec Mocha, qui est un logiciel du coup qui permet de faire du tracking avec une autre manière un peu que After Effects et qui est extrêmement puissant aussi. Et l'association des deux, c'est grandiose. Ouais, bah sur Mocha, je sais qu'on a reçu Jimmy Tyrion sur la chaîne, sur les lives Adobe France. Vous pouvez les retrouver sur le YouTube, on va essayer de retrouver un lien de ça. Et Jimmy, lui, c'est un mec qui fait aussi beaucoup de VFX et D'accord. qui truque des plans, qui rajoute des éléments, etc. Il nous avait montré, il avait bossé pas mal pour GoPro à une époque, et il nous avait montré tout un tas justement de plans où il allait récupérer des éléments sur la pointe de la montagne. Et comment il allait traquer ce truc-là dans Mocha. Donc, si jamais vous avez besoin de faire une première découverte, hein, pour ceux qui cherchent ça, on va essayer de vous mettre les liens de la session sur le Behance, le YouTube, et puis tout à l'heure, on se les garde pour le Discord. Mais effectivement, ouais, Mocha, c'est. Et en plus, je crois que quand Jimmy était venu, on était sur la nouvelle version aussi. Il y avait eu une intégration parce que je crois qu'ils avaient 3-4 versions de retard. D'accord. Là, ça a été rajouté. Merci à Stéphane pour le lien. Et c'est vrai que c'est quelque chose, ça fait partie de l'abonnement classique et tout ça. Et moi, j'avais entendu parler de Mocha il y a pas mal d'années, j'avais regardé des tutoriels, mais c'était pas associé les deux, ça demandait une licence en plus, et c'était assez, qui n'était pas donné en plus, donc c'était assez compliqué. De se réfléchir pour un seul projet comme ça au milieu de pour 3 semaines de boulot, ça aurait été un peu sympathique. Ouais, puis Du sur coup, surtout pour un voilà. truc que tu fais en bricolage chez toi, enfin sans avoir des tonnes d'assistants et de mecs pour faire des rendus à ta place, quoi. C'est ça. Exactement. Ouais, là, c'est vraiment, il y a aucun sponsor qui a payé la vidéo. C'est vraiment un délire où il n'y a eu aucun fond injecté du début à la fin. Donc on est sur quelque chose pour le délire en fait. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas envie de dépenser des milliards d'euros au milieu quoi. Donc voilà. Je peux aussi ouvrir Mocha pour ceux qui connaissent pas. Je peux montrer un petit peu. Je sais pas Non, si vas-y, si tu dans. si ton ordi est d'accord, vas-y. Eh ben alors Mocha c'est vrai qu'il se débrouille pas. On va prendre quelque chose que j'ai déjà pris. On va regarder un petit peu. Alors, mon cas, je l'ai pas utilisé. Je vais ouvrir l'autre session d'After Effects. Alors, il va y avoir une petite minute où je vais devoir fermer ce dossier-là et ouvrir un autre fichier. Parce que mon cas, je l'ai utilisé pas sur cette image-là, mais sur l'image de Kylian qui court. D'accord. Alors du coup, ça me fait penser à un truc, justement, pendant que tu es en train de faire ça, c'est qu'effectivement, tout le trucage est fait dans After, et du coup, tu as des fichiers After différents par type de plan, par type de film, et après, tu réintègres, tu Voilà. remontes dans Premiere. Exactement. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé le montage de base qui a été posé parce qu'il y avait la composition de la musique en parallèle. Donc on s'était bien mis d'accord sur le rythme, où est-ce que ça devait être. Et puis à partir du moment où on va faire des effets spéciaux, on fait en sorte que on n'ait pas 20 images de trop à faire à la petite demi-seconde où finalement on l'utilise pas. Vraiment, la demi-seconde, elle peut prendre une journée et demie. Donc on se dit pas, on se laisse pas le doute de 10 images en trop ou enfin. Voilà, on essaye de gratter chaque image. Et du coup, voilà, il y avait vraiment la séquence de première qui avait été posée. On a quand même changé deux, trois trucs, parce que des fois, on s'est rendu compte que l'effet ne marchait pas aussi. Il y a eu des plans, notamment en snowboard, ou même en parapente, on s'est rendu compte que la magie fonctionnait pas. Et du coup, on a décidé de les enlever pour prendre des plans qui fonctionnent un peu mieux. Et c'est pas forcément, quand on n'a pas d'expérience, c'est pas forcément facile à anticiper. On a du mal à. Il y a une grosse dynamique qui est liée à l'athlète aussi. Et dès qu'on l'enlève, bah, des fois, ça fait magique et des fois, ça fait tout fade. Notamment avec le snowboard, qui a un côté plus monobloc, vu qu'il n'y a pas les deux jambes, vu qu'il n'y a pas de mouvement vraiment dans le snowboard.
tout ce qui était freestyle, donc dès que ça sautait en l'air, ça fonctionnait plus. Ça fonctionnait vraiment quand il y avait un contact avec la neige. Alors, la session va s'ouvrir. Patience. Non, mais Désolé de. on a pas mal meublé sur la session qui s'ouvre tranquille et tout. T'as vu, on s'en sort bien, hein? Tout le monde est encore là dans le On public, s'en donc sort pas si mal. c'est que ça vous plaît. Moi, je kiffe, j'adore un peu ce démontage. Alors, du coup, pour arriver, donc, si on revient, le temps qu'il s'ouvre, donc, pour faire, gros, ce tracking autour des jambes, donc, à ce moment-là, effectivement, j'ai utilisé Moka, qui associe, en fait, on est moins sur un tracking qui est vraiment sur un point précis. C'est une espèce, je sais pas comment il leur arrive, mais c'est une espèce de tracking général qui va traquer plein de petits points, qui va essayer de suivre et de comprendre la perspective un petit peu de l'objet pour mieux le suivre. Et avec un détourage au début assez dégueulasse, il comprend assez vite où est-ce qu'on veut aller. Et ensuite, on affine. Donc, ça se fait vraiment, moi, je le fais vraiment en deux étapes où je fais vraiment un détourage assez grossier. On voit la jambe, je mets quelques images clés pour que ça suive un petit peu la jambe. Et ensuite, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus précis. Ça y est, ici, ouvert. Alors, On on a va essayer senti que de ça prendre peinait un un. petit peu. Voilà. Et là, on peut voir déjà un petit peu tous les calques qui sont en train d'arriver. On voit l'envers du décor. Alors, je vais déplacer la petite fenêtre qui va là. On va aller dans les effets. On peut voir Mocha. On ouvre Mocha. Normalement, ça va relativement vite. Alors, je vais m'enregistrer plus tard. Je ferme ça. Et paf, on arrive sur Mocha qui est là. Et du coup, pour ceux voilà qui connaissent pas Mocha, donc c'est un petit peu plus comme des, c'est presque un peu que c'est un autre outil un peu comme la plume, mais qui est un petit peu dessiné. On arrive à arrondir les angles et tout ça. Donc là, on peut voir qu'il y a combien, il y a 5 masques différents. Donc la jambe droite, la jambe gauche, la chaussure droite, la chaussure gauche. Et ensuite, il y a une espèce de background où là, c'est en gros tout stylisé. J'essaie de garder un maximum de matière originale pour ne pas avoir à recréer le fond qui est un peu plus dégueulasse pour vraiment l'utiliser que ce endroit vraiment nécessaire. Et en dessous, on a du coup une sorte de timeline avec l'image clé. Donc on peut voir l'endroit où c'est assez facile, où il le trouve tout seul. Et puis il y a des endroits où ben, faut un peu le faire image par image pour détourer tout ça. Et dans la méthode de tracking, il y a plein de méthodes. Donc ça peut être de la transition, ça peut être Attends, on te perd un peu. un changement d'échelle, il y aura de la rotation. Et ça va jusqu'à la perspective, où il arrive à comprendre les choses en 3D avec ces outils-là, où on va venir y placer des grilles ou des éléments qui vont essayer de comprendre comment les choses fonctionnent en 3D. Et c'est vrai que c'est extrêmement puissant. Et je trouve que After Effects et Mocha finalement sont assez complémentaires parce que After Effects propose plutôt des trackings pour créer des espèces de caméras ou bien des trackings vraiment sur des points très précis, alors que Mocha, lui, c'est vraiment un mélange des deux. Il fait vraiment une espèce de tracking général sur toute la cuisse. Et une fois qu'on a ça, qu'on a créé nos trackings image par image et que ça fait bien le tour de notre jambe, de nos jambes un peu partout, on a juste à sauvegarder le fichier. Et quand on ferme, on va l'exporter. Du coup, sur notre, on choisit quel layer on veut utiliser, où est-ce qu'on veut le mettre. Et alors, on a la possibilité de soit créer des masques, soit créer des informations tracking. Donc, les masques, je les ai utilisés pour effacer, par exemple, les jambes. Tout ce qui est les informations tracking, je les ai utilisés pour recréer le background, où je suis allé mettre des photos Photoshop. Que je suis allé derrière, et vu que la caméra elle est en travelling et qu'elle tremble un petit peu, je suis allé traquer ce mouvement-là et pour coller la photo, donc du coup j'en maintiens l'image derrière et que ça apparaisse à peu près naturel. Ouais, ça marche tellement Alors bien ça. j'espère que j'embrouille pas tout parce que. Non, mais t'inquiète, de toute façon, je pense que tout le monde découvre au fur et à mesure. Petit sondage, du coup, dans les gens qui nous suivent sur Behance ou sur YouTube d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui avaient déjà fait ce genre de compositing un peu fou? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser Mocha? Merci à Steph et à Alexandre d'ailleurs pour les petits liens. Tiens, j'avais zappé une question, bravo Franck. Est-ce que, une question de petit 16, pour la vidéo, est-ce que tu t'es inspiré avec la musique pour choisir les plans? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les deux se sont faits vraiment ensemble. C'est-à-dire que j'ai pas eu la musique et ensuite j'ai fait le montage. C'est que on s'est mis d'accord
sur un beat, sur un rythme. Ouais. Et ensuite, j'ai créé une vidéo, j'avais trouvé une musique qui avait à peu près ce rythme-là, pour avoir un premier aperçu. Et de là, ensuite, eux, ils ont vraiment recréé. Donc au début, on avait mis clic, 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 clic. Et ensuite, eux, à la composition, l'avantage, c'est qu'ils peuvent créer de la musique sur l'image, qui fait qu'ils vont jouer sur des effets. Ben, on va pouvoir, si on veut donner un effet un peu aérien, un effet très dynamique, un effet un peu rigolo, ou jouer avec un sound design, ben, ils vont mettre des instruments dessus. Et ça permet de vraiment pouvoir coller le son, l'image de manière beaucoup plus poussée, en fait. C'est le grand luxe, hein. On ne peut pas tous les jours se permettre de se payer de la musique pour nos vidéos. Et quand on peut le faire, c'est super agréable. Et en plus, derrière, on n'est plus embêté par les droits et tout. C'est toujours compliqué. Il n'y a pas de maison de disques. Et c'est donc c'est vrai que c'est quand même c'est un sacré confort. Et du coup, c'est vrai que c'est un process qui est inverse. Donc, des fois, la musique donne une sensation et de là, on va mettre les images qui vont coller à la sensation. Alors que là, on est vraiment sur le procédé inverse. On va mettre les images et ensuite, on va aller faire en sorte que la musique matche avec ces images. Donc, c'est un travail de leur côté, c'est hyper technique aussi. Moi, je ne vais pas trop en parler parce que j'imagine que c'est pas. Là, faut être musicien à fond et compagnie, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges. Il y a eu des fois ils ont proposé des thèmes au début qui fonctionnaient pas. On est revenu dessus. On dit ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. Et il y a eu pas mal d'allers-retours jusqu'à ce que ça fonctionne. Alors, je reviens un petit peu sur ces images-là. J'ai enlevé mon bobby et là, j'ai essayé de le faire remplacer par les images. Donc, c'est-à-dire cet outil qu'on voit à droite qui marche Oh, attends, je vois pas encore, il vient d'arriver seulement. Quand la vidéo le permet, voilà. Donc le remplissage d'après le contenu. Et ben là, on peut voir que à ce moment-là, sur ce type d'image, Il sait pas gérer. vu qu'il avait pas cette information derrière, à ce moment-là, l'ordinateur il est pas, de, il fait ce qu'il peut, il essaie de se débattre, mais c'était voilà, il comprenait pas trop, il manquait d'informations, il manquait de pixels, quoi. Du coup, j'ai dû recréer en fait un fond avec des photos. J'ai fait des screenshots. Donc, il y a un lien sur After Effects qui est ici, où on appuie sur le petit appareil photo, là où on va dans la timeline, et ensuite en haut, on va dire enregistrer l'image sous calque Photoshop. On a directement tous les calques qui arrivent sur Photoshop et qui permettent du coup de travailler un peu avec tout le pré-travail qui a déjà été fait quand même en amont de masque et tout ça. Donc, ce qui est quand même vachement pratique. Et c'est vrai que sur Photoshop, il y a pas mal d'outils qui permettent avec les fonds, des choses comme ça, qui permettent de redessiner, d'être plus soft, de venir retoucher, de vraiment créer quelque chose de très très propre. Sauf que le souci que j'ai eu, c'est que, au début, on n'avait pas de poussière. À la fin, il y avait de la poussière. Du coup, en fait, j'ai fait deux photos différentes, une avec de la poussière, une sans poussière, et je l'ai fait apparaître en opacité au fur et à mesure de l'image. Pour essayer, donc, y a ma photo sans poussière, ma photo avec poussière, l'opacité de celle avec poussière qui marche de plus en plus, qui réaugmente, plus ces deux photos qui sont collées avec le tracking du mouvement de la caméra. Et ensuite, on a déjà mal à la tête à ce moment-là, mais on se dit, c'est pas grave, on lâche rien, maintenant on va essayer d'y mettre les chaussures. Et de là, on est un peu plus sur quelque chose de classique, où là, je suis allé détourer, du coup, je suis allé détourer, j'ai récupéré vraiment les parties où il y a le sable qui gicle et tout ça, avec la liaison avec la chaussette que j'ai fait relativement flou parce que ça bouge très vite. Et on peut voir ça. Et par souci de détail, derrière, j'ai essayé de rajouter des chaussettes dedans. De l'intérieur de chaussettes. De l'intérieur, donc je suis allé prendre une petite chaussette chez moi, j'ai mis dans une paire de chaussures, j'ai récupéré un peu les angles, et après avec les images des quatre coins, donc là c'est l'image par image, c'est un peu plus chiant. On vient poser la chaussette à l'intérieur de la chaussure pour qu'il y ait quelque chose d'assez que ça marche quoi. Donc Ouais, ça marche vraiment bien pour le coup parce que alors un moi quand j'ai regardé le film je t'avoue que j'ai fait exactement comme t'as dit, je l'ai regardé sur le téléphone dans un premier temps. Donc j'ai pas eu tous les doutes que t'avais sur le côté 720p sur les flous, sur les petits détails, etc. Et puis après quand j'ai su qu'on allait réussir à s'en parler plus au calme. Mais j'ai regardé sur YouTube en HD, profiter des images et tout, mais je suis pas allé jusque faire des arrêts sur image comme tu viens de nous les donner là, c'est assez cool et c'est Alors, là c'est là où on a envie de montrer à quel point on a galéré en fait, parce que c'est instinctif.
Sûrement les gens s'en foutent de voir les trois images de chaussettes se déplacer, mais quand on sort notre boîtier et qu'on le prend, qu'on vient sur Photoshop, qu'on le met, tout ça, on se dit on va quand même montrer un petit peu ces petits détails. Et je pense que à partir du moment où il y a des effets, les gens, je pense qu'instinctivement, il y en a pas mal qui sont allés faire un peu la surimage, peut-être pour aller voir ou aller voir des choses. Et l'idée, c'était qu'il y ait le moins de choses possibles à dire. En tout Ouais, cas, parce que fallait. je pense aussi que sur le public aussi, t'as effectivement les gens qui sont allés voir et qui sont allés se demander sur la partie technique, genre est-ce que c'était du fond vert, est-ce qu'il y a, je sais pas s'il y a Bah, eu il y a eu plein de des... commentaires comme ça. Tout le monde pense qu'on a été en collant, qu'ils sont allés courir dans la montagne et tout ça, mais j'aurais adoré. Parce que si j'ai préparé en post-prod, alors il y a deux possibilités, mais déjà on essaie de faire plutôt des plans fixes, ou bien sur un trépied, où ça peut balayer, ça peut bouger, mais un coup on fait passer la tête, un coup on récupère le fond, déjà l'angle étant incroyable, au moins c'est parfait. Et ensuite, le fait de mettre un fond vert, c'est vrai que ça permet de supprimer la personne en une demi-seconde. Donc si on a ça plus le fond, il reste plus qu'à rajouter la chaussette finalement. C'est ça. Et Et ça devient là c'est presque pas mal. facile. Et ça devient facile et relativement rapide. Sur un plan comme ça, il aurait fallu un peu ces nouveaux travelling motorisés pour pouvoir faire exactement Le même plan. le même déplacement en travelling pour avoir le même plan. Donc on a le fond, ensuite on a avec la tête, on en face le verre, on met le fond derrière et on a quelque chose qui fonctionne relativement rapidement. Nous, en l'occurrence, c'était plan B et vraiment, mais qui n'était pas du tout prévu pour ça à la base. C'est là où c'est pour ça que c'est devenu d'un coup beaucoup plus technique. Ouais, il y a Léo Rosello qui nous dit hello. Moi, je suis surtout avec le roto-pinceau d'After Effects pour faire les masques image par image. Ouais, Ouais. c'est du boulot. C'est vrai que le roto-pinceau, moi, j'avais essayé et moi, j'avais des problèmes de ressources. Du coup, avec la plume et tout ça, ça me permettait de bosser. Sinon, l'ordinateur, il n'en pouvait plus. Il faut avoir une sacrée machine quand même pour supporter la rotoscopie. Et du coup, c'est vrai que voilà, j'ai choisi un petit peu cette méthode-là. Bon, Mais écoute, ouais, c'est non, bah, c'est ça, hein, c'est du travail de gens insociables, d'autistes derrière son ordinateur. mais qui savent quand même aller dehors, parce que t'as quand même l'avantage de pas être juste le mec qui fait les retouches sur After Effects. T'es quand même la moitié du temps, t'es dans le ciel sur ce film, quoi, donc c'est. C'est ça. Non, mais alors là, si un jour il y a un client qui me demande un truc pour After Effects, je lui dirais, ben, je peux les prendre à partir de 2024 ou 2025. Parce que moi, j'ai besoin de récupérer un peu de plein air avant de retourner derrière mon ordinateur. Tu Donc m'étonnes. voilà, c'est vrai que là, ça a été vraiment beaucoup de temps sur l'ordinateur pur et dur. Et on espérait sortir la vidéo à la sortie du confinement, et puis on l'a sortie quelques semaines plus tard parce que j'ai eu du délai. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment les effets spéciaux, c'est ultra chronophage en temps. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte, mais un plan facile, un petit plan, un bonhomme et tout ça, au maximum, je faisais ça en 3 à 4 heures, j'effaçais le bonhomme en 3 à 4 heures pour un plan de peut-être 4 secondes. Par contre, pour des plans comme celui-ci ou comme les deux que je vous ai montrés, là, on est plutôt, je sais pas, sur 2 à 3 jours, voire même jusqu'à 4 jours. Il y en a un où j'ai en snowboard où j'ai galéré 4 jours avant de réussir à le faire à peu près propre. Donc 4 jours pour 4 secondes. Donc c'est pas très rentable en termes d'efficacité. Mais voilà, ça permet d'avoir des choses un petit peu qui sortent du commun. Bah écoute, comme le dit Daniel, c'est super impressionnant ton travail. Alex nous dit tous en vert pour la prochaine session. Peut-être que Ah ce ben sera une bonne grave. idée. Parce que maintenant je vais mettre que des habits verts dans le doute. On sait jamais, Oui. peut-être qu'en 2025 je vais me dire faut faire un montage ou faut s'effacer. Donc je vais faire ça, je vais commander un pack vert. Tous en combinaison moulante verte. C'est ça, mais je pense que c'est indispensable. Ça devrait être la panoplie de départ C'est ça. pour tous les gens qui viennent qui viennent se filmer, quoi. Où tu sais que au moins tu vas pas rater le plan de ta carrière et tu vas pas passer des C'est ça. plombes à retoucher le truc. Exactement. Ah, mais le petit client, il avait voulu être en vert, il m'aurait fait sauver des semaines d'ordinateur, C'est ouais. ça. C'est ça. Mais écoute, je vais terminer en remettant du coup en mode pas saccadé le film. Hop. Check.
toujours sans le son, hein, parce que comme ça on peut discuter juste Ouais. les 2 dernières minutes sur les images du film. Merci beaucoup Ben, merci à d'avoir vous. partagé tout ça, parce que c'était bien cool de pouvoir justement reprendre étape par étape. L'avantage en fait de pas avoir eu les humains pendant le film, c'est quand même que vos coupes de cheveux du confinement, il n'y avait pas à les retoucher C'est pendant le court ça. métrage. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il faut encore laisser pousser un petit peu, ça fera plus vrai. Ouais. C'est clair. C'est clair, mais c'est carrément ouf. Les trois ambiances fonctionnent à merveille et l'intégration, en fait, tu t'en rends pas compte du tout, quoi. Ça marche tellement. Merci en tout cas. Bah c'est vrai que voilà, c'était le challenge de dire on a fait le montage et puis là, il y a eu à un moment donné le gros moment de doute où on se dit est-ce que la magie fonctionnera? C'était la grande question où on a écrit, on a fait les choses, tout le monde avait bossé donc il fallait aller jusqu'au bout et puis on espérait que ça fonctionne et puis bah, moi je suis assez content globalement. Ouais, je pense que là, pour le coup, ça le mérite. Il y a vraiment ce truc de folie ouais, tu l'as fait, c'est lancé. Ouais, c'est ça. Mais j'avais pas montré en fait les images de la fin tout à l'heure. On s'était arrêté juste au moment où on est dans le ciel pour regarder les photos. Donc vous avez vraiment retrouvé vos pompes, vos snowboards et vos voiles accrochées à l'extérieur. C'est ça. Bah, tous les trois, on est tous repartis. Victor a fait du snow, même au mois de juin. Il a Ouais. réussi à trouver Et Hélène des zones enneigées. aussi. Et bah ouais, chez nous, un peu, on cherche en hauteur, il y a encore de quoi faire. Faut être un peu fou, hein, Mais mais je du pense. coup, voilà. Non, et c'est vrai qu'en plus, ce qui est très marrant, ils ont bien joué le jeu d'acteur aussi, parce que c'est quand même pas tous notre point fort à la base. On est quand même assez vulnérable en face caméra, comme ça, tout seul à la maison. Ouais. Tout le monde a bien joué le jeu, et puis ça passe pas si mal. Donc, je pense que on va placer le bras rapide tout de suite, mais en tout cas, ça aura fait un exercice un peu assez intéressant. C'est bizarre. Moi, j'ai dû faire les prises 200 fois et j'étais jamais content. Mais Ouais, carrément, c'est ouf. c'est intéressant. Mais en tout cas, merci, ouais, merci beaucoup pour cette inspiration, pour les petits points techniques et pour les petites ouvertures. Petit 16 nous dit qu'il aimerait bien pouvoir voler comme toi au lieu de rester derrière l'ordi. Jamila est très contente et Alex dit encore merci pour tout ça. Donc voilà. Et Léo Un grand termine merci sur un à tout bien le monde. joué, impressionnant travail, comme quoi le travail. Toujours au moins le remercier, c'est plutôt une bonne chose. C'est ça. Voilà, bah, merci Jean-Baptiste. Pour tous les autres, donc merci de nous avoir suivis sur ce Adobe Live sur Beyond.net. La conversation continue encore quelques minutes sur le Discord, dont on va vous remettre le lien dans les différents chats. Si vous voulez nous retrouver là-bas, je sais que Stéphane avait posté les liens des sessions avec Jimmy Tyrion pour la partie compo dans Mocha. Il nous a posté aussi le lien de la découverte du After Effects remplissage d'après le contenu et puis ben pour tous les autres et pour même si vous êtes avec nous demain on continue, on a deux sessions demain sur la chaîne YouTube et sur Beyond.net. On a Louis Rigaud qui est un artiste qui fait à la fois de l'illustration, des livres pop-up, de l'animation et plus récemment un jeu vidéo complet qui est complètement fou et qui devrait bien vous plaire, même si en ce moment vous avez plutôt envie d'être à l'extérieur. Et Camille Raveau vient nous présenter ses talents en bande dessinée. Donc ça c'est pour terminer la semaine en beauté, donc vendredi 14h et 16h, on sera avec vous. Et la semaine prochaine on redémarre avec de la photo, deux fois on aura Sophie Di. On aura Aurélie Chantelli qui seront avec nous. On terminera la semaine avec Aurélien Jeannet sur de l'illustration. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci encore à toi, Jean-Baptiste. Merci à Merci à Alex et vous. Stéphane. Et à très bientôt. Au revoir.